Shit! Let's go! Eh bien, bonjour à toutes et à tous. The Muertos got no skill. We need to go, like now. That gate won't last long. I told you we were better off on our own. Right. The woods were way better than an army base stocked with food. Alors, je recommence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, puisqu'il parlait... On n'a peut-être pas dû m'entendre. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle série sur State of Decay 2 avec la nouvelle map, je me rappelle plus du nom et en plus je l'écorcherai vu que mon anglais est magnifique. Donc, on est parti sur le tuto. Voilà, donc nous sommes dans un jeu post-apocalyptique. How'd they get inside? Maybe that's why there's nobody here. Alors ils font que de parler dans le jeu. Where'd everybody go? Looks like they left in a hurry too. Alors là c'est le tuto normalement, donc on va chercher des ressources. Pourquoi je refais le tuto? C'est pour pouvoir partir avec les personnages que j'ai dans ma partie principale, celle que j'ai fait avant. Bon, j'ai pas été très loin. Donc on a trouvé un petit bandage, très bien. Donc on va essayer de pas faire trop de bruit pour pas attirer trop les zombies. Donc si j'ai bien compris, c'est le père et la fille là. On peut fouiller plus rapidement, mais avec des risques de faire plus de bruit. Et d'attirer nos amis les zombies. Bon, voyez celui-là là-bas, il est dos. Je vais aller essayer de l'exécuter. Ok. Donc on va se mettre. Look around. We should try to find you a better weapon. Alors dommage qu'il soit pas en français parce que j'aurais bien aimé. Voilà, une belle exécution. Pourquoi les exécuter? Bah déjà d'une, on a moins sur le dos. Et de deux, j'ai bien l'impression que l'arme qui nous sert à exécuter n'a pas d'usure ou s'use très peu. Voilà. On continue la fouille et on continue, si possible, les exécutions. This is officially the shittiest refugee camp I've ever seen. D'accord. The poor bastards shambling around would agree if they weren't dead. Seriously, you need a better weapon. Alors, mon arme s'est détruite, ça c'est normal. Puisque c'était une batte de baseball en bois. Et on récupère dans le tuto. Une petite clé, on va s'en équiper. Donc on continue, hein. Le tuto c'est vraiment pour nous apprendre. Bon là on va fouiller plus vite, tant pis s'il y a du bruit. Ok. J'ai pris tout ce qu'il y avait. On continue. Hey, check out these notes. You know, I'd write one for you if you got lost. Ça. Why am I the one who's gonna get lost? Arriver à faire du okay. bruit comme ça, you can write one for me then. Damn. Whatever. Thanks for fantasizing about me going MIA. Personne. Allez, on y va. Let's just keep on fouille plus vite. Oula. Elle a fait un sacré saut. Alors ouais, on peut essayer de les éviter pour passer par derrière après pour pouvoir les exécuter. Mais c'est plus compliqué. Je n'y arrive pas à chaque fois moi.
On va essayer d'exécuter ces trois-là sans se faire trop remarquer. Bon, ça s'est pas si mal passé que ça. On doit aller là. Alors là, on nous apprend à utiliser la... Donc, on y va. Ah, bloqué. Ah, et elle se fait attaquer. He's just like that muerto we saw outside the gate. Et donc elle a été blessée, si j'ai bien compris. God damn it! It bit me. I hate that. We both had worse. On sait jamais. On ferme la porte. Donc elle a été mordue, bien ce qu'on avait compris. Y a rien à prendre par là. Faisons le tour. Ouais, donc là on revient ici, ok. Donc là c'est là qu'il faut aller. On fouille, on va fouiller rapide, allez, on fouille rapide. Place a more rules in fucking high school. Shit, this bite is really itching. Allez, on se dépêche un peu. I'll be faster next time. Dios mío. What the fuck is all this? Ah, allez, on a des rampants, donc là on peut les exécuter direct. C'est ce qu'on voulait nous montrer dans le jeu. Allez, rien à récupérer. Les ressources. I'm out of meds, but I'll find you something. Don't worry. Ah, ça c'est bien. En même temps qu'on pouvait, on peut regarder autour de nous s'il n'y a pas quelque chose. Donc c'est pas vraiment gênant, je trouve, d'attendre. Puis ça met un peu de stress dans le jeu. On se dit qu'on va peut-être se faire attaquer pendant qu'on fouille. Donc là, j'ai laissé faire, voilà. C'est là qu'on apprend à exécuter normalement, mais je l'ai fait avant. Bon, ça c'est un peu scripté, hein, le démarrage là, hein. Les zombies sont toujours au même endroit. Et vous allez voir un magnifique spécimen. Voilà. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau. Bon, si on essaie de l'éviter pour... Non, on peut pas. Yo, up here. Get to the ladder. Ouais, grimpe à l'échelle. Ouais, ouais, let's go, on y va. Hop là. C'est pour esquiver, ouais, bah. Wait, what are you doing here? The last evac trucks left days ago. My girl heard the army ran these camps. Where is everybody? Orders came in to close these camps down and move on. No more army, my man. Not here. Just a few of us dumb enough to stay behind. Only me and the doc survived. Hey, not an exaggeration. My brain is on fire. Oh, shit. Tell me what bit her. Was this real nasty fucker? All covered in blood? What's wrong? This is bad. Real bad. You need serious help. The doc should still be down at the S&B. Tell her I sent you. On va aller voir le toubib. Sacré mondeur. Donc je présume que c'est elle. Where did you two come from? I thought civilians had been gone for days. Alors. Still trying to be.
Was your friend bitten? That's my girl. It was a zombie with blood on the outside. I'm so sorry. You should come with me. Alors, il faut la suivre. Oh God. That's what bit me, one of those things. It's called blood plague. It's very contagious, and it doesn't take long to do its job. What do you mean? That's gonna happen to me? Not as long as I'm around. Hey, I could use your help. Take your flashlight, go in there and look for a sample case. I need you to bring it to me. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. Rapide. We developed a cure, hop. But it only works if you use it soon after infection. Okay. The army took our lab when they left, but they didn't get everything. Did you find hop. It? Je lui donne. No cure? Not good. I'll need an infirmary to culture a new dose. Alors? Qu'est-ce qui se passe là? Plus rien, plus personne ne dit rien. J'étais trop vite peut-être pour les dialogues. Ou alors c'est planté. Ah bah c'est super en vidéo. D'accord. Ok. Hey Doc, it's checkout time. Fucking Zeds are swarming the perimeter. Plague zombies too. I know you want to save Amari, but it's time for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exactly. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help. Like her. Okay. But I can't just leave. Not like this. Do what you need to. But make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. Okay. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari. But I don't have the strength to end things. Ok, donc on a compris, on accepte la demande du médecin. Donc en fait, je pense que le blanc qu'il y a eu, c'est que j'étais trop vite, parce que je ne l'ai pas eu la première fois. Donc, il faut aller dans l'inventaire. On doit s'équiper du pistolet. Voilà. Et on doit mettre fin à la vie de Amari. Perdoname. Voilà. May God watch over you. I know I have a hard time letting people take care of me. For what it's worth, I'm glad we're together. Don't worry. I ain't the one the apocalypse without you. Donc en fait, il faut laisser les dialogues se faire, sinon ça va pas bien. Thank you for doing what I couldn't. I'm riding shotgun. I hope your driving is good. I heard about a place we can try. Ouais, je sais conduire. Enfin, dans la vraie vie, je sais conduire, mais pas ici. Hein. J'y arrive pas avec cette voiture. Vous allez voir, je suis une vraie calamité. No more army, huh? Bon, puis là, on est parti en cinématique, so, hein, donc. How do we survive now? Pour regarder la voiture et voilà. As long as we're together, et là le jeu commence. Make it through anything. Et là nous sommes partis. Donc on va faire le début du jeu, donc le tuto, et on va sauver sa fille en fait, et puis on s'en arrêtera pour la première vidéo sur cette série. Je sais pas si je vais la faire longue la série. Parce que... It sounds like we're empty again. Ah. We better be close. This is a place. Pull up here. This should be safe, at least for a while. C'est plutôt mignon comme endroit. It's rustic, but it has what I need to get started. Right, sounds good. Hey girl, you still doing okay there? Don't call me that. No, I feel like shit. Ok, donc je disais donc que je vais peut-être pas la faire très longue. Je ne s'arrête pas de parler. Infirmary, got it. But somebody better come up with an actual plan.
Donc là, je pense que ça a arrêté de... Ils vont arrêter de parler. Donc je disais que je ferais peut-être pas la série très longue, parce que ce jeu est vraiment... ce jeu en coop. Donc bah, si ça vous intéresse de venir me rejoindre pour jouer sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter via le mail qu'il y a sur la chaîne ou dans les commentaires. Et on pourra peut-être faire une série en coop sur ce jeu qui, ma foi, je le trouve pas mal, moi. Allez, on est reparti. Alors, trouver l'infirmerie. Ok, donc là, je joue la fille. L'infirmerie, voilà, c'est par là que ça se passe. Utiliser. Hop, donc on utilise. Et on s'en est dans le lit, c'est ça? Non. Et voilà. Et maintenant, on prend un autre personnage. Donc, bon, on va prendre son père. Time to get some beauty rest, or even just rest. I'm not picky. You know how to cure this, right, Doc? Please. This isn't as good as having the actual cure, but I should be able to keep her blood plague from getting worse for a while. That is, if we can keep our supply of meds from running out. That's bullshit. Relax, man. Nobody's dying today, right, Doc? Not as long as we can find more plague samples and make the cure. The ones you found in my lab are good, but we need more. Okay, bon, alors. Oh shit, we can do that. I saw a good place to hunt for them on our way into town. Voilà, ça il nous explique que c'est le stockage. Ok. Ici, c'est un endroit de construction. Ici, c'est le stock. Donc, on a. Il y a déjà un flingue. Il y a un sac, cet emplacement. Ça m'intéresse. Alors, avant, je vais mettre tout ça dedans. Ça, je m'en fous. Ça, je prends. Et je prends le cet emplacement et je m'en équipe. Ça, j'ai déjà un emplacement supplémentaire. Pourquoi j'ai enlevé ça? Parce que ça, c'est pour ce... Comment dirais-je? Ici, vous avez la minimap. Ici, c'est votre endurance. Ici, c'est votre vie. Avec la molette, vous pouvez faire bouger ça, là. Et vous appuyez sur A pour utiliser ce que vous avez sélectionné. Ici, ben, on a le statut de la base, qui s'optimise pour l'instant. On a 7 médocs, 8 de nourriture, 2 cartouches. Non, on a 2 types de cartouches, en fait, je pense. On a 0 composants, on est 4. Donc, réserve de médoc basse, établir un avant-poste et survivant contaminé, on a. Ok. Donc, on peut recruter un ami pour aller se promener, mais avant, je ne sais pas si elle me l'a dit dans l'école, qu'il y avait une tour pour visiter, alors je vais le faire. On va grimper en haut. Et après... It could be worthwhile to climb up and get a better look around. Alright, I should look around. Voilà, hop, on se met ici. Et on vise. Voilà. Donc on nous explique que. Ah, vous mettez la pause si vous voulez tout lire. Okay, I'm getting a handle on what's out here. On nous explique que voilà. We should probably start scavenging these buildings. I like that idea. On est en train de regarder tout ce qu'il peut y avoir. Donc les sites à observer, la petite barre orange, quand elle sera montée, ça veut dire que j'aurai observé tous les sites possibles de la hauteur où je suis. Ok, il doit en avoir d'autres par là. Non. Donc les autres doivent être ici. Voilà. Voilà, ça continue. J'ai vu qu'il y en avait d'autres ici. That'll do it for now. Voilà, j'ai observé tous les sites. On va vérifier que là il n'y a personne. Ok. On redescend. Donc là le but du jeu c'est de compléter les cœurs de peste en A4. Et pour faire le médoc, le doc on a besoin d'un cinquième. Donc on va aller le chercher. C'est la mission qu'il y a à faire. On va ouvrir la carte et on nous dit qu'il faut qu'on aille ici. Et voilà la carte, comment aller. Et ici, il y a déjà quelque chose. L'agent des primes amical. D'accord. Alors pourquoi elle est. Peut-être parce que je l'ai déjà fait dans la mission d'avant. C'est bizarre.
Donc là, il faut que j'aille ici. Chercher un cœur de peste pour sauver la fille de notre personnage. Donc on va pas y aller tout seul. On va aller recruter le gars là-haut. Voilà, on fait envoyer les compagnons. Et on y va. Alors, attendez, je crois qu'il y a des ressources dans le camion là. Hop, on va les prendre. Bon, si on fait du bruit ici, c'est pas grave. Better than nothing. Voilà, donc tes composants. Et on est parti. C'est à 90 mètres, donc on va y aller à pied. Parce que normalement, on pourrait prendre la voiture, mais je crois qu'il faut la réparer vu dans l'état qu'on l'a mise. Là. Nous avons un joli petit monsieur ici qui ne sait pas trop où il va, il erre comme ça. Donc on va le supprimer. Voilà. Donc il faut aller là-bas. Ah voilà, vous voyez ceux qui ont les yeux rouges là? Et ben c'est des sanglants. I'm here. Time to get this shit done and get back home. Parfait, ils se sont retournés quand je suis arrivé. C'est nickel. Mince. Moi qui voulais faire ça discret. Can't do it. Voilà, j'ai le cœur de peste. Ah non, j'ai cliqué sur le personnage, il est trop près. Voilà, moi je vais récupérer le cœur de peste, s'il te plaît. Voilà. Donc l'échantillon, il monte. Ok, j'ai votre plague sample right here. Et je crois qu'il y en avait un troisième, un petit gars. Oui, il est là-bas. On va aller l'éliminer pour sécuriser la zone. Ah, j'étais infecté. J'ai la fièvre qui monte. Ok, bon bah on va looter un peu. Bon, il y a personne aux alentours. Allez hop. Donc astuce. Lui quand il loot, il fait monter ton astuce, d'accord. Il y a encore des trucs. Voilà, là, il y a un truc à looter ici. Allez, on accélère le loot. Well, this place is a bust. Il n'y a rien d'autre à looter. J'entends le... J'en entends un quelque part, mais je sais pas où il est. Fuck it. Let him come. Bon bah là, il va nous trouver. Hein. Ils vont nous trouver. Oh là, il m'a bien affecté là. Ok. On va en débarrasser. Voilà. Bon bah là, mon personnage est bien infecté. Donc on va rentrer à la base. Donc on va le faire courir pour rentrer à la base. Pour remonter son cardio. Vous allez voir. Normalement. Voilà. Plus on court, plus on fait monter le cardio. Donc vous voyez l'état de la voiture. How's my girl doing? Sur un truc, comment va-t-elle? She's holding on, but we don't have much time. Donc on va mettre ça. Ça, on va mettre tout ça ici. Tac, tac. We now have enough plague samples to make the cure she needs. We should get on that as soon as possible. Et on va aller à l'infirmerie préparer le remède qui est ceci. Vous voyez, donc il faut appuyer sur espace pour fracker une fiole. Il nous faut donc 5 échantillons de peste et 2 médocs. Donc on n'a plus que 7 médocs, donc c'est voilà. Relax, babe. I have the cure in hand. You'll feel better in a sec. Did I hear something about a cure or was I hallucinating? Donc, je m'approche de ma fille. Hop. Et non. Adios, vato. Voilà.
Alors, poussez-vous que je puisse y accéder. Non, voilà. Fine, really, just vomiting blood. Take this and keep fighting. It's gonna get better. Well, if I die now, it'd be a damn waste. All right, guys, I'm ready to get back in the. We did it! Oh, we beat the goddamn blood plague. Nice work, people. I'm starting to think there ain't nothing that can stop us. This crew, we're survivors. Our ammo supply is getting scary low. Donc, okay, voilà. People. First day of school's over, and amazingly, we're still here. Je pense que je vais baisser le son des voix la prochaine fois. If we're gonna make this town safe for people to live in, we gotta go after the Zeds. Donc on va faire ce qu'elle nous demande. Screamers gather the dead around them like groupies. And I remember seeing one as we came into town. Any plan that starts with killing Muertos voilà. Can't be bad. Let's do this. Ça apparaît. Et si on choisit de faire la mission? Nobody can be safe here with all the Zeds around. Donc éliminer la menace zombie. We need to make our home safe, rather than go on hunting expeditions. We can make this place a lot friendlier if we use some building materials. I'm gonna start on those home repairs now. Donc en gros, faut aller dans les. I'm so glad you agree. Dans les bâtiments. Ah, faut qu'ils arrêtent de parler. On va basculer le personnage et je vais le congédier lui pour qu'il aille se reposer parce qu'il a fait 34%. Et on va aller faire la mission avec elle. On va l'enrôler. Tu as raison, j'en suis. Accepte d'aller les tuer des zombies. Donc on va prendre sa mission. I'm glad you agree. Nobody can be safe here with all the Zeds around. Et ça, nous le ferons la prochaine fois. Chercher les objets. Hein. Alors attends voir. Qu'est-ce qu'il a lui là ? Un sac 6, ça j'en veux pas. Il a le pied de biche, ok. Et par contre, c'est elle qu'on va équiper. Elle est où ? Grass, you're still alive. Yo, I wouldn't mind sitting out for a while. Je bascule. Voilà. Donc elle a une botte de baseball, donc ça c'est pas terrible. Donc hop, ah. On va récupérer plutôt ceci et on va l'en équiper. Ensuite, on peut lui mettre un petit pistolet aussi si jamais on a besoin de. Ah, à chaque fois je me trompe de bouton. Et alors ce qui est bien dans le jeu, vous voyez, c'est que vous cliquez sur l'arme et il vous met en orange les balles qui lui appartiennent. Vous n'avez pas besoin de chercher. Ça c'est pour le sniper de du gars qui est avec moi. Donc hop, on prend. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Ça et ça. Je lui en équipe. Attendez, alors, je veux qu'il le remette dans sa poche. Voilà. Ça, là, j'ai tous les emplacements là pour aller looter. Mais ça, on ira looter la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. Ciao, bye bye.